Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est fin décembre, et bien il est tout simplement le temps de faire le point sur cette année 2022 qui vient de s'écouler. On va commencer par les points négatifs. Alors oui, c'est histoire de les balayer, il y en a quelques-uns. C'est pas les plus importants, c'est pas ce que je veux retenir, mais bon, il y en a quand même, donc on va voir ça ensemble. Donc un point négatif, je dirais, c'est un gros point négatif, ce sont toutes les tracasseries administratives d'une manière générale de l'entreprise, je dirais la gestion. J'ai trouvé que cette année, c'était particulièrement compliqué, parce que rien ne s'est passé comme prévu ou comme ça doit se passer normalement. C'est tout un tas de petites choses qui, mis bout à bout, eh bien, font que ça devient très lourd de gérer une entreprise. Alors, j'espère que c'était lié à 2022, qu'on ne sera pas autant embêté dans les années à venir. Mais voilà, c'est le point négatif que je voulais aborder avec vous. Certains points, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, j'ai des vidéos en préparation, et bien sur certains points administratifs ou du moins de gestion d'entreprise qui m'ont posé problème cette année, et je les développerai plus dans des vidéos particulières. Donc là, je vais faire que de vous les énoncer, je ne vais pas revenir précisément dessus. Donc notamment, la gestion des fournisseurs, des prestataires, cette année j'ai trouvé c'était particulièrement une corvée parce que tout le monde se fout de tout. Et ça devient particulièrement compliqué. Ça va du comptable qui n'a pas de mal à rendre son bilan avec 5 mois de retard, qui va engendrer une mise en demeure de la part des impôts. Donc ça, c'est quand même compliqué, surtout que le comptable, c'est quelqu'un qu'on paye et qu'on paye quand même relativement cher. Et encore en plus, quand le travail est mal fait, ça peut avoir tout un tas de conséquences néfastes sur une entreprise. Et puis, ça peut même être très grave pour une entreprise d'avoir un comptable qui tient pas la route. Donc, clairement, le nôtre, ça s'est plutôt mal terminé. Heureusement, bon, ça n'a pas mis notre entreprise en péril. Parce que voilà, j'ai été prudent, parce que j'ai tout fait pour remettre les choses dans l'ordre. Mais disons que voilà, vous pouvez gérer votre entreprise du mieux possible. Si un comptable a décidé de vous planter, le problème, eh bien, c'est qu'il peut vraiment vous planter. Et puis ça peut vous emmener très loin et vous mettre dans de grandes difficultés. Et puis ça va du comptable, ça va par exemple pour le tonnelier, on commande 5 fûts, il y en a 3 qui arrivent, ils arrivent avec 2 mois de retard. Donc voilà, ce n'est que 2 exemples, je ne vais pas aller plus loin, mais ça montre bien l'ambiance actuelle en ce moment, c'est qu'il y a un je m'en foutisme global dans beaucoup d'entreprises et c'est compliqué de pouvoir faire un travail simple, de commander du matériel, des fournitures, sans avoir à relancer sans arrêt les entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui devient très lourd. Mais je développe pas plus, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Un autre problème là, qui est vraiment plus de l'administratif, c'est que j'avais une subvention France Agrimer en cours pour de l'investissement matériel. Cette subvention qui m'avait été accordée, j'avais l'accord de principe, le règlement m'a été refusé. Alors encore une fois, j'ai la chance que mon entreprise porte plutôt bien, donc j'ai pu financer ce qui ne m'a pas été financé par France Agrimer. Mais voilà, encore une fois, c'est de la tracasserie, c'est du temps perdu à faire des courriers, vraiment pour des bêtises, mais ça je reviendrai précisément sur ce sujet. Et puis le dernier point dans les différentes tracasseries administratives ou du moins de gestion de l'entreprise qu'on a eu, eh bien, c'est le départ de notre apprenti. La rentrée de notre apprenti avait lieu au mois de septembre et bien sûr, il a décidé de nous planter en plein milieu des vendanges. Donc ça aussi, c'est des petites choses qui, mis bout à bout, ça fait beaucoup de tracasseries pour une année comme ça. Et encore, là, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les problèmes divers et variés qu'on a pu avoir. Donc voilà, une année 2022 un petit peu compliqué pour ça. Bon, ça c'était les points négatifs, mais vous me connaissez, je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et même pour le coup là, cette année, ça va rentrer dans les deux gros points positifs que je vais développer maintenant. Là on passe aux points positifs et ils ne sont pas des moindres, hein. Ils viennent complètement contrebalancer les petits points négatifs que j'ai pu vous dire juste avant.
Donc le premier, eh ben, je parlais de verre à moitié plein, eh ben, c'est que cette année, il est complètement plein. On a eu la chance de faire une récolte complète. C'est la première fois depuis 2018 que l'on peut faire, que l'on fait une récolte pareille en termes de volume. En termes de qualité, ça doit être très qualitatif, hein, il n'y a pas de souci, pour l'instant les vins sont très bons. Avec, pour nuancer un léger bémol, c'est que eh bien, les vinifications sont relativement difficiles. Cette année, je pense que je vous ferai pareil. Je ne vais pas plus développer là, puisque là, le but, c'est de vous faire une vidéo bilan. Mais en termes de vinification, voilà, ça demande beaucoup de suivi, parce que les vins ont tendance à vite dévier d'un point de vue aromatique. Mais sinon, d'une manière générale, quelle belle récolte. On ne s'y attendait pas, parce que voilà, je vais vous montrer différentes images pour illustrer mes propos. Donc on ne s'y attendait pas. Déjà, premièrement, eh bien, c'est la neige et le gel, hein. Et on a eu ça le 1er avril, hein, donc clairement, c'était pas un poisson d'avril. On a vraiment eu du gel, de la neige. On a eu de la neige qui s'est posée sur des bourgeons éclos. Je vous montre les photos. Donc vraiment, quand on passait dans les parcelles, c'était très impressionnant. On a bien cru que tout allait être fichu encore une année, comme 2021, où on a perdu une grande majorité de la récolte. On a essayé de faire du feu pour essayer d'éviter le gel. Clairement, c'est pas ça qui nous a sauvé la récolte, hein. On va être franc. Ce qui nous a sauvé la récolte, eh bien, c'est qu'on a eu certes des mauvaises conditions, mais ça a été le moins pire qu'on pouvait avoir. Je m'explique. C'est que déjà, certes, il a neigé sur les bourgeons, mais il ne faisait que zéro. Ça n'est pas descendu en négatif à ce moment-là. Donc ce qui fait que la neige s'est posée tranquillement sur les bourgeons, mais ne les a pas abîmés, ils n'ont pas gelé. Donc ça, c'était vraiment une chance pour nous. Et puis il a gelé, mais avant, il y a eu un grand vent du nord qui a séché la masse d'air et qui a permis justement de limiter les risques de gel, même s'il a gelé jusqu'à presque moins 3, avec une masse d'air sèche, ça a été quasiment sans incidence. Alors chez nous, il y a bien eu quelques bourgeons par-ci par-là de gelée, mais relativement peu et vraiment rien à voir avec 2021, où 2021 s'était descendu jusqu'à moins 7. Là, clairement, moins 3 avec une masse d'air sèche, ça n'a pas fait de casse, ou du moins relativement peu pour que ça n'impacte pas la récolte. Ça, c'est déjà le premier point. On est vraiment passé à côté de la catastrophe encore cette année, mais cette fois, tout s'est bien passé, les conditions étaient relativement favorables pour que ça n'ait pas d'incidence. Après, on a eu un beau printemps, hein, printemps sec, avec un petit peu de pluie, pas de souci. Après, par contre, il a commencé à faire vraiment sec, le mois de juin, très sec. Là encore, coup de chance, on a eu 200 mm la dernière semaine de juin et première semaine de juillet. Donc là, clairement, ça a grandement limité la casse. Puisqu'avec une telle quantité de pluie à cette époque, ça ne recharge pas complètement les sols, mais ça les a rechargés suffisamment, pour faire face aux grandes périodes de chaleur que l'on a pu avoir cette année. Là où ça s'est compliqué, c'est fin août. Et bien là, par contre, il a fait tellement chaud, tellement sec. Depuis début juillet, on n'a eu aucune goutte d'eau, ou presque aucune, ou du moins, on a eu quelques gouttes d'eau, mais ça n'était pas des pluies significatives. Donc, il commençait à faire très sec. Sur certaines parcelles, je vous remets quelques images. Les raisins, ils commençaient à flétrir, notamment par exemple sur notre parcelle Le Clos Gandin, où je vous ai fait le premier ou le deuxième vlog vigneron. Quoi qu'il en soit, je vous le mets en vignette et dans la description pour ceux que ça intéresse à aller voir cette vidéo. Voilà, ben là, le flétrissement, on le voit bien un petit peu partout sur la grappe. Et puis les baies de taille beaucoup plus petite. Donc oui, concrètement, fin août, autour du 20-25 août, moi je croyais la récolte perdue, perdue, pas totalement, hein, mais vraiment je m'attendais à un moins 30, moins 40% de récolte liée à la sécheresse, parce que c'était très sec et les raisins commençaient à flétrir. Donc liée à cette sécheresse et à cette chaleur, justement, les raisins commençant à flétrir, on a fait le choix de commencer à ramasser certaines parcelles, une parcelle en particulier le 22 août, donc ce qui est très tôt effectivement. Bon, ça a permis de limiter la casse, ça nous a permis de faire un rendement vraiment correct avant que la vigne se dessèche complètement.
Et puis, d'un point de vue qualitatif, alors on avait un degré un petit peu en dessous, mais là, pour l'instant, les vins sont très bons, sont assez équilibrés. Donc, concrètement, on a fait les bons choix. Mais voilà, là, jusqu'au 22, 22, 25, tant qu'on n'avait pas eu les pluies, on le voyait mal parti. Et après, coup de chance, encore une année, vraiment, c'est vraiment une année, d'un point de vue culturel, c'est vraiment une année, sous le signe de la chance, hein. Parce que bon, on a eu un petit peu de grêle, c'est vrai, je vous l'ai pas dit, je vous montre encore quelques photos, mais la grêle a largement été compensée par ces pluies qui sont arrivées fin août, début septembre, courant septembre, qui ont permis de faire gonfler les baies. Alors nous, c'est vrai qu'on s'était pas précipité à vendanger fin août. Concrètement, on aurait pu vendanger fin août, mais je trouvais la maturité n'était pas suffisamment avancée. J'ai préféré attendre. On a préféré attendre que les raisins atteignent une maturité plus avancée. Et la chance qu'on a eue, eh ben, c'est que pendant cette attente-là, il s'est mis à pleuvoir. Et là, clairement, on n'a pas eu des énormes cumuls de pluie. Ce qui est une chance aussi, hein, parce que trop de pluie pendant les vendanges, c'est source de pourriture, c'est embêtant pour vendanger. Mais on a eu suffisamment de pluie, eh bien, pour que les baies gonflent. C'est ce qui fait qu'on a fait le plein. Dans la majorité des parcelles, alors oui, il y a toujours quelques parcelles un petit peu en dessous, mais ça c'est normal, ça fait partie de la nature. Mais dans une majorité des cas, on a fait le plein. Par exemple, ce que je vous disais, notre parcelle Le Clos Gandin, où je voyais beaucoup de pertes, eh bien, on a fait le plein rendement à quelques litres près, donc ce qui est vraiment parfait. On a eu de la chance, je le répète, mais c'est vrai que c'est vraiment marqué. On n'avait pas forcément les bonnes conditions au départ, mais on a eu le temps qu'il fallait, vraiment quand il fallait. Alors attention, ça c'est valable pour notre secteur géographique. Je sais que malheureusement, par exemple dans le sud Mâconnais, dans le nord Beaujolais, là c'est plus compliqué, les rendements sont assez en dessous. Et puis à d'autres endroits en France, ils n'ont pas eu la chance qu'on a eue d'avoir ces bonnes conditions au bon moment. Donc c'est pas forcément une très bonne récolte pour tout le monde, mais par chez nous en tout cas, c'est vraiment une excellente récolte. Voilà un petit peu d'un point de vue récolte, ça c'est vraiment un des deux très grands points négatifs. C'est que c'est la première fois depuis 4 ans qu'on arrive à faire une récolte complète. Donc c'est très bon, ça permet de reconstituer nos stocks pour la vente, parce que nos stocks avaient pris un petit peu de mal, donc ça nous permet de voir l'avenir plus sereinement. Alors le deuxième point positif pour cette année 2022, eh bien c'est d'un point de vue commercial. Alors ça fait très longtemps qu'on travaille à développer nos ventes, l'accueil à la cave, ça fait bah, tout simplement, bon ça fait même plus longtemps que ça, mais disons que depuis 2015, c'est là avec mon installation, c'est là où on a cherché à développer nos ventes de bouteilles en vente directe, à accueillir du monde, à proposer des offres œnotouristiques diverses et variées. Ah, ça fonctionne bien, hein. C'est vrai que chaque année on est en augmentation, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées, on accueille de plus en plus de public. Mais là, c'est vrai que 2022, il faut bien le remarquer que là on a atteint vraiment un niveau très important pour une petite exploitation pour nous. On accueille de plus en plus de groupes. Je vous mets quelques illustrations des photos qu'on a pu faire pendant nos différents événements. On propose de plus en plus d'activités, des dégustations dans les vignes, des dégustations à la cave accompagnées de produits locaux. Là, cette année, on avait lancé une nouveauté, la chasse aux œufs pour Pâques. On a fait aussi, mais ça maintenant, je crois, ça fait la troisième ou quatrième année que l'on a participé au Fantastique Pique-Nique, le goûter vigneron. Donc enfin bref, on propose tout un tas d'activités tout au long de l'année et force est de constater, c'est qu'il y a un intérêt grandissant pour toutes les activités que l'on peut proposer. Donc ça fait vraiment plaisir parce que c'est un travail de longue haleine qu'on a lancé, bah, je vous dis, depuis 2015 et ça a été un petit peu long à se mettre en place, hein, on va pas vous le cacher. Alors j'espère que ça n'est que le début, hein, que 2022 n'aura été que le début de la réussite de toutes ces activités. Là, c'est vrai que 2022, c'est un petit peu l'aboutissement de tous ces projets qu'on a mis en place toutes ces années et qui là prennent vraiment forme, ben, ont vraiment pris forme cette année
en 2022. En plus, on a de très bons retours. Ça, c'est vrai que c'est vraiment très positif que ce soit bien accueilli. Déjà, c'est recherché parce qu'on a beaucoup de gens qui trouvent ces activités-là sur notre site internet. Donc, c'est vrai qu'on voit que de plus en plus de gens recherchent ces activités-là. Donc, déjà, ça nous montre un petit peu que on a bien fait de se lancer dans cette voie. C'est vraiment plaisant d'accueillir des gens intéressés qui semblent vraiment apprécier le moment. Donc ça nous fait très plaisir. Et puis en dehors de ça, on va pas se le cacher, et bien ça nous fait des jolies ventes. Voilà, on a jamais autant vendu de vin. Donc heureusement pour nous, on a réussi à faire une récolte cette année. Donc ça nous va nous permettre de reconstituer nos stocks et de poursuivre cette belle évolution. Donc nous voici arrivés à la fin de cette vidéo consacrée à l'année 2022. Donc vous l'aurez compris, tout ce qu'on espère, c'est que notre entreprise va continuer à bien se porter comme cette année, avec si possible un petit peu moins d'emmerdes. Mais ça, malheureusement, ça fait aussi partie de la vie d'entrepreneur. Restez connectés car les différents sujets que j'ai pu aborder vont être développés dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une très bonne année 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.